Bonjour, chers étudiants. Je suis Barry Hassan. Je suis le chargé du cours d'intro aux études juridiques, judiciaires et méthodologiques. J'ai fait mes études en Guinée, donc produit guinéen. Je suis de la 45e promotion de l'Université Sonfonia, avec une maîtrise en droit public. C'était en 2009. Et de 2012 à 2014, j'ai suivi un master recherche en droit international, autrement dit en droit humanitaire et droit de l'homme. Et en 2014, j'ai eu à soutenir sur ce, en termes de mémoire, ce qui m'a poussé au grade de master 2. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Sonfonia et en même temps, chef de département de droit à l'université Amadou Dieng au compte du campus de Sangoya. Donc ce cours qui nous réunit, que vous allez suivre bien sûr, est intitulé Introduction aux études juridiques, judiciaires et méthodologiques. C'est un cours préalable pour toute personne désireuse d'avoir des connaissances en droit, mais aussi c'est un cours obligatoire pour les étudiants qui se sont inscrits en droit. Ce cours, au départ, avec l'ancien système, c'était tout simplement introduction au droit, parce que dû à la largesse de son contenu, mais avec le système LMD, on s'est retrouvé dans une nécessité de mettre ce cours ou d'allonger, ajouter quelques éléments qui sont essentiels pour tout étudiant en droit. C'est ainsi qu'on a ajouté la partie judiciaire, mais aussi la méthodologie. Donc ce cours, comme les autres cours, ce n'est pas un cours extraordinaire, il faut le dire. C'est un cours qui est réparti en 15 séquences, comme les autres cours, conformément aux exigences du système. Mais également, c'est un cours, ces 15 séances se résument en 3 titres. Le premier titre, nous avons la théorie générale du droit. Deuxième titre, nous avons la partie judiciaire de la République de Guinée. Et la troisième partie est intitulée la méthodologie. Donc, c'est ces 3 titres qui constituent le cours d'intro aux études juridiques et judiciaires.